Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je viens de me réveiller, je vais pas vous mentir, il est midi 41. Je suis super fatiguée, je pense que ça doit se voir. Attendez, voilà, beaucoup mieux. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Instagram contrôle ma journée pendant le confinement. J'avais trop hâte de faire cette vidéo, surtout que j'ai jamais fait d'Instagram contrôle ma vie, alors que c'est un truc que sur YouTube, je pense que toutes les youtubeuses l'ont fait. Donc je vais commencer tout simplement par mettre une story en vous demandant, j'aimerais bien me maquiller. Là on dirait que je sors de je sais pas où. Mais je vais vous demander tout simplement ce que je mange ce matin. Est-ce que je mange un petit déj cuisiné ou est-ce que je mange un petit truc pris? J'ai vraiment pas envie de cuisiner. En attendant, je vais regarder un peu tout ce qui est mes réseaux puisque je l'ai pas encore fait et je le fais directement le matin, ce qui est pas bon, je sais. Ma soeur regarde la Casa des Papel. T'as mis la Casa des Papel? Bah oui. Bienvenue dans ma cuisine. Malheureusement, de me surprend pas du tout. 85% des gens ont voté cuisiner. De base, je voulais manger salé. Donc j'avais pensé à faire des œufs avec un croque-monsieur au jambon. Vous savez, le jambon de pays, là, trop bon. Mais je trouvais que c'était pas assez cuisine. Donc, on va faire un mug cake qui n'est pas vraiment de la cuisine puisque ça va aller au micro-ondes. Nous n'avons pas besoin d'internet, ma soeur va me dicter la recette. Donc, je connais pas. Tu la connais pas? D'abord, on va choisir la tasse. Donc, j'ai pris la plus grosse vu que j'ai faim. Donc, après, on doit aller aux courses parce qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture à la maison. C'est en train d'être la dèche. Donc, je vais vous demander tout simplement, est-ce que je vais aux courses en pyjama ou est-ce que je vais aux courses en tenue de plage puisqu'il fait super soleil. Je vais le mettre déjà dans ma story, comme ça je peux avoir des votes en attendant. 39. Waouh. 2 cuillères à soupe de cacao, 3 cuillères à soupe. 3, mais t'es folle ou quoi? Jamais de la vie. 3, c'est beaucoup trop. 4 cuillères de farine. La farine, à chaque fois que j'ouvre le paquet, j'en mets partout. Ensuite, 4 cuillères à soupe d'huile. Quoi? Une cuillère à soupe d'huile. Une cuillère de fermentation. De levure, ça s'appelle. Et 4 cuillères à soupe de lait. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je fais jamais de make-up, je vais pas vous mentir. Ma soeur la grosse, elle a pris la jambe. Bon, c'est chiant, ça y est, j'en ai marre. Je vais préparer du coup le plateau parce que je vais manger dehors. Il fait super soleil. Ça se dit pas. Il est super pluie. Ok, ça a sonné. On va voir. C'est normal. Il y a des mots. Ce qu'on va faire, c'est que vu que je suis une gourmande et que j'adore le chocolat blanc, c'est froid quand même un peu. Allez, c'est parti, on va goûter ça. C'est super bon. Avec le chocolat blanc, là, je vais vous montrer. Du coup, on doit aller aux courses tout à l'heure, mais c'est quelque chose que je déteste faire de base. J'aime pas du tout aller aux courses. Surtout en ce moment, je trouve ça super stressant. Les gens, ils sont tendus. J'espère que ce ne sera pas en tenue de plage que vous allez voter parce que, genre, j'habite pas à la plage, quoi. Désolée, je suis pas très bavarde le matin. Je suis en train d'apprécier le gâteau, là. J'ai quand même hâte que le confinement se finisse, malgré que peut-être que c'est bien de rien faire. Mais là, je vais un peu plus. Je viens de finir de manger. Alors, avant d'aller aux courses, je vais vous demander quand même si je passe la journée maquillée ou pas. J'espère que oui, j'ai vraiment envie de me maquiller, ça fait super longtemps. C'est bon, donc en attendant, je vais aller dans la chambre, je vais tout ranger. Et on va voir c'est quoi les résultats, savoir si je vais en tenue de plage ou en pyjama aux courses. Allez, c'est parti! Ok, donc on va aller regarder les résultats. 63% qui ont dit en pyjama. J'ai vu plein de gens en pyjama déjà, donc tranquille. J'ai des pyjamas plutôt basiques et j'ai vraiment les pyjamas. Pyjamas à carreaux avec des cœurs. Vous voyez vraiment les pyjamas moches. Je me suis changée. Donc voilà pour le haut, un t-shirt Bieber basique noir. Et pour le bas, nous avons un pyjama à carreaux. Et avec des pantoufles. Et on va voir si vous m'avez dit de me maquiller ou pas. Alors, est-ce que je passe là? Voilà, au naturel. Je suis dégoûtée. Je voulais grave me maquiller. Voilà, on va rester au naturel. Déjà qu'on a un pyjama moche, en plus, la tête va avec. Donc, c'est parti. Je pense que je vais mettre des chaussures parce que je pense pas que je peux conduire en pantoufles. Et comme vous pouvez voir, c'est des pantoufles taille 47, le truc. J'espère que les gens ne vont pas me juger. J'étais presque en train de partir, je suis remontée pour prendre un doliprane et prendre un masque. Ma soeur a dit c'est vrai, elle travaille dans le milieu hospitalier. Donc en fait à tout moment elle peut ramener le virus à la maison, donc vaut mieux qu'à chaque fois que je sorte. Mais comme elle je porte un masque au cas où elle m'a transféré quelque chose que je le transmette pas aux autres. Voilà.
Et en plus, j'avais pas fait mon attestation de sortie. J'ai reçu un colis. Ah, c'est des rouges à lèvres. Je vous montre pas ici, je vous le montrerai dans l'unboxing. Il y a des glaces avec. Attestation, c'est bon. Alcool en gel, c'est bon. Je suis pieds nus, je vais conduire pieds nus, moi. Je sais plus conduire. Alors, on vient de finir les courses. Il est actuellement 15h15. J'ai l'impression qu'on est resté une heure. Oui. Il est pas 15h. Si, 15h15. Je viens de rentrer. Je n'en peux plus. Alors mon ressenti sur le fait de faire les courses en pyjama, personne ne m'a regardé malgré que j'avais des pantoufles. Tout le monde était tendu, j'ai jamais vu une queue comme aujourd'hui au supermarché. C'était vraiment flippant. Au point qu'ils ont fermé le supermarché quand on est sorti. Il y avait la queue d'or et le supermarché était fermé. Franchement, chapeau à eux parce que ce qu'ils se tapent, mais j'ose même pas imaginer comment leur journée doit être longue. Enfin, ça doit être affreux, 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 vraiment. Là, je vais vous demander, est-ce que je fais du montage ou est-ce que je fais des TikTok? Cette vidéo, c'est vraiment la réalité du confinement, c'est-à-dire l'ennui. Même cette vidéo est ennuyante. That's my life. En attendant vos réponses, j'ai lancé l'aspirateur, c'est le bruit que vous entendez en fond. J'ai appelé mon copain parce que je lui ai pas parlé de la journée pour qu'on se raconte un peu ce qu'on fait, vive le confinement. Des gens ont voté pour un smoothie. Donc je vais faire un smoothie. J'ai de la banane, des fraises, des framboises. Et c'est tout ce que j'ai compris. Et des clémentines, mais je pense pas que ça va bien aller dedans. J'ai le sucre, la banane, le lait, les fraises et le mixeur. Donc soit vous utilisez un mixeur, soit vous utilisez un blender. Donc, on va commencer en mettant les fruits. Comme vous pouvez voir, elles sont congelées. Parce que je vais pas vous mentir, en fait j'ai oublié que j'avais des bananes. Et elles étaient en train de mourir, donc je les ai données à ma soeur et les a congelées. Un peu de fraises. Ensuite, on met le lait. Donc, il y a 25 cl de lait. Et du sucre, on va faire à l'œil. Hein. Je sais pas si c'est une bonne idée. C'est pas juste une bonne idée. Arrête. Voilà le résultat. Il a l'air trop bon. Ne faites pas attention à la paille. Run. Donc j'ai fait un sondage, est-ce que j'ai fait des TikTok ou est-ce que je fais du montage? Vous avez voté pour faire du montage. Donc je me suis posée sur le balcon et c'est ce que je vais faire. J'ai quelques montages de vidéos à faire même si j'ai des vidéos d'avance. C'est super bon en vrai. Ça c'est le meilleur casque pour faire du montage parce qu'on arrive à entendre tous les petits sons. C'est trop bien. Je veux pas qu'on voit ma tête. On voit ta tête. C'est un enfant. Trop mignon. Tu vas voir? Je suis horrible. Bon ben les gens ils sont en train de voter pour faire le gâteau maintenant. Mais c'est trop tard les gars, le smoothie il est prêt. J'ai enfin fini mon montage, donc je vous mets la vidéo que je retouchais juste là. On va faire du sport, j'ai pas encore vu si les gens ont voté haut du corps ou bas du corps. Mais je vais aller me changer et je reviens de suite. Je suis prête et je suis totalement à contre-jour. On va aller voir les résultats. J'espère vraiment que c'est le haut du corps parce que j'ai fait le bas du corps depuis 3 jours. Et j'ai vraiment pas envie de faire des squats, tout ça. Donc le résultat c'est bas du corps à 54%. Ok, je déteste faire le bas du corps chez moi, j'aime bien le faire chez mon copain parce qu'il y a tous les appareils. Du coup je trouve que c'est un peu inutile parce que j'ai l'habitude de faire avec du poids et là je vais faire sans poids donc c'est une perte de temps en soi. Mais vous avez voté le bas du corps. Je vais commencer par la corde à sauter, ensuite je vais faire des squats, squat jump. Je vais faire des fentes et je vais faire le petit exo comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Je vais faire 10 squats et 10 squat jump et je vais faire ça 4 fois. Je vous plaît. C'est très consistant. Ce smoothie quand même, j'arrive pas à le finir. Des courbatures mais énormes, j'aurais tellement aimé travailler les épaules et les abdos. J'aimerais trop être en train de bronzer là. Et on enchaîne directement avec soulevé de bassin ou voilà le prénom que je donne à cet exemple. Et je suis morte, j'ai envie d'arrêter cette vidéo et d'aller dormir. Ce que je vais faire là c'est la meilleure partie, c'est à dire que je vais m'étirer.
J'en peux plus. Je vais pas vous mentir, je commence à me sentir un peu pas bien. J'ai super mal au thorax. J'ai un peu mal au ventre. Mais on va continuer la vidéo. Je vous reprends ici parce que je n'ai plus de batterie sur la caméra. Je vous ai demandé, est-ce que vous préférez que je fasse un puzzle ou que je regarde Netflix? Je vais pas vous mentir, les deux ça me tente. Ma soeur a acheté un puzzle aujourd'hui, donc why not? Mais j'attends vos avis pour savoir. À l'heure actuelle, il y a plus de votes pour le puzzle alors que tout à l'heure c'est Netflix. Bon, ben, la majorité a voté pour que je range la chambre à ma soeur. Je suis même pas surprise, mais je vais y aller. Le problème, c'est que sa chambre, c'est un bazar. Mais à savoir, elle a mis tout ses affaires en hauteur pour que le robot y passe. Donc c'est pour ça que c'est encore plus le bordel. J'ai vraiment pas de chance. Ça, c'est pas à elle, c'est sûr et certain. C'est trop mignon, regardez. On va dire que c'est beaucoup mieux. On va laisser comme ça. Voilà, je vais venir lui demander son avis. Ça me fait un peu chier parce que du coup sa chambre est totalement rangée et ma chambre est totalement pas rangée du tout. Mais du tout, du tout. Et bientôt 18h, c'est pour vous dire que je vais faire une pause parce que je me sens pas trop en forme. J'ai un peu du mal à respirer, tout ça. C'est dû au sport, dû à la fatigue, parce que j'ai pas trop dormi cette nuit, je sais pas. Je suis de retour, alors je m'excuse, ça sera à la fin de la vidéo, je me suis endormie, il est actuellement 3h du matin. Voilà, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire du maximum que j'ai pu. Je pense que j'ai quand même fait pas mal de sondages. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous fais une bisou, bisous, ciao.